Bonjour à tous, et eh bien on se retrouve pour ce premier tirage des énergies pour la semaine du 1er au 7 janvier, notre premier tirage pour 2018. Et je vous donne le choix entre deux tas de cartes. Donc le premier tas de cartes, le tas de cartes bleues qui correspond à l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. Et le deuxième tas de cartes qui correspond à l'oracle symbolique du marc de café de Sylvie Cariou. Alors je vous propose donc de faire un choix, ou le tas de cartes bleues ou le tas de cartes marron avec le petit style oriental. Et on se retrouve tout de suite pour faire le tirage des énergies. Alors on commence tout de suite, ben, on va commencer par l'oracle d'Émilie de Dieu, l'oracle du monde. Donc la première carte. C'est la carte de la sagesse, de la compréhension. Donc, vous allez débuter cette semaine, ben peut-être avec de bonnes résolutions, comme souvent on fait en début d'année. On prend de bonnes résolutions, on décide de se remettre au sport, on décide de faire attention à son régime alimentaire, on décide d'être un peu plus sympathique avec le collègue de travail qui n'est pas toujours sympa avec nous, mais bon, on va faire un effort. Donc, c'est le début des bonnes résolutions. La deuxième carte. La carte de l'étoile, ben, c'est la carte de la bonne étoile, de notre destinée. Donc c'est notre choix. On a décidé de faire ces résolutions et ben on va s'y tenir. Cette semaine on s'y tient. C'est le choix qu'on en a fait. On continue. On va appliquer ces décisions. La troisième carte, la carte du bonheur. Mais c'est un super tirage qu'on a là aujourd'hui cette semaine. La carte du bonheur. Et en plus, c'est la carte des plaisirs. Donc cette fin de semaine va être sous le bon augure du plaisir, de se faire plaisir, peut-être de se faire un petit week-end en amoureux, puisque c'est la carte du chakra, c'est la chakra du plaisir, du bonheur, de tout ce que l'on peut espérer, un week-end super. Le chakra sacré, c'est vraiment, je pense, tout ce qui est sentimental et votre week-end, ce sera un week-end bien sympathique. Voilà donc pour les premiers tas de cartes. On va passer au deuxième tas de cartes du marc de café. Donc, si vous avez choisi le marc de café pour vous cette semaine, alors malheureusement, là, cette semaine, elle a commencé avec un petit peu, disons, le moral dans les chaussettes, comme on dirait. Ce début d'année n'est pas très bien commencé pour vous. Peut-être que les fêtes ne se sont pas bien déroulées comme vous le souhaitiez ou que vous avez eu un contretemps dans une organisation prévue. Et vous commencez un peu le début de semaine un petit peu déprimé, quoi. Ce n'est pas la grande forme. La deuxième carte, eh ben c'est la carte du pont de transition, c'est-à-dire que ben, vous allez réfléchir à comment vous allez continuer cette semaine ou comment vous allez envisager cette petite déprime. Et ben, il va falloir passer outre, il faut changer, il faut pouvoir trouver quelque chose pour nous remettre un peu d'aplomb, le moral, on va pas se laisser abattre, on décide de changer, de prendre les... Et la troisième carte, eh ben, c'est le fer à cheval. Le fer à cheval, c'est le petit coup de chance, c'est le petit coup de pouce qui va vous aider justement à reprendre un peu le moral cette fin de semaine. Donc, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous aider à passer ce cap. Vous allez peut-être avoir une tête, si vous avez des problèmes financiers que vous rencontriez, ben, vous allez avoir un petit coup de chance financièrement, un imprévu qui va renflouer vos petites caisses. Toujours est-il que la fin de semaine sera meilleure et vous redonnerez un peu le moral. Donc voilà pour cette première guidance de l'année. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre guidance. Au revoir.